Alors. Ok. Alors moi, tout ce qui m'intéresse avec ce perso, c'est juste que... Voilà, j'ai 15 ans à pas jouer avec. Voilà, comme si on était au départ. Je vais juste... Je veux juste, en fait, ne pas passer le tuto. Parce que le tuto, c'est l'enfer, les gars. Bonne nuit, Arna Matata. Le fait de parler... Non, 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 même pas. Enfin, peut-être, hein, ouais, je dis ça même pas, mais peut-être, je sais pas. Ça me cache juste les couilles. Hein. Non, parce que je parle la journée aussi, hein, moins qu'en stream, mais... Après, en raid, j'ai pas énormément parlé ce soir. Puis, j'ai plus grand-chose à lire, en soi. Alors... Tu ferais bien de te préparer avant de te rendre dans le Val Putride. Ah, j'en suis au Val Putride, quand même. Ah, merde. Ok. Alors, ce soir, en loot, pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a eu de beau ce soir? On a eu de la merde. En fait, on a eu des trucs très très bien, des trucs très très nuls, on a foutu de l'aise. On a eu, genre, la tête... C'est 8 Intel 6 Esprit de ouf, là, sur Sarves, pour Dizish. Azedos a eu son trinket sur... sur Akumai. Rainside a eu les épaules d'Akumai. J'ai eu la dague d'Akumai avec mon démo. Donc ça, c'est cool. C'est la dague bis, la 12 Intel. 12 Intel, 12... 12 Spell Power. Qu'est-ce qu'on a eu comme loot vraiment marquant? Marquant... Je réfléchis... Je crois que c'est à peu près tout, hein, en loot vraiment stylé, je crois que c'est tout. J'en oublie peut-être. Sur quel risque dis-toi les deux loots, on les ades? Ah, on a eu le sac épique pour Amelia, enfin pour ce lac de Geliast. On a eu le sac 14 places. Bruma a passé d'ailleurs. J'étais étonné parce que ça m'aurait fait plaisir qu'il roll aussi, parce que c'est Demo Hunt, quoi. Mais bon, après, on va pas vouloir roll, hein. Attendez, on va... Ok, je vois où je suis. C'était bien un loot bonus, je crois, ouais. Tu me fous, j'ai le doute d'un coup. C'est un loot bonus, ouais, on a dû voir 3 loots sur Geliast. On a eu les bottes de 7 War qui ont été utiles, qui a filé un 2 pièces à Karn. On a eu... sur Aquanus, on a eu les épaules pour Sap, 3 forces 11 endus. On a eu les brassards... les brassards, je sais plus qui on les a filés. Les brassards cure à nouveau de Gamora. Mais c'est le DPS surtout qui était intéressant. J'ai fait top 3 sur les 3 premiers boss avec le démo. Azedos a fait top 3 sur les 3 derniers boss avec, avec son rogue. Et Bruma a fait top 1 sur le 4ème. C'était rigolo. Je suis monté, dis-toi, à quasiment 200 DPS. C'était sur... Et sans Grinch. J'ai demandé à ce qu'on n'utilise pas de Grinch ce soir. Pour qu'on puisse voir. C'est... Je crois que j'ai... C'est sur Gamora, j'étais à 190 DPS. Ah, ah c'est la Naga, c'est vrai. Et en mono. J'ai pas de cheaté en mode AO. De toute façon, moi, je perdrais en AO. Alors, forger, c'est ça. C'était la Naga. Non, en même temps, elle s'est tellement fait... C'est vrai. Oui, on a pu calculer les points de vie. La Naga, elle a 35 000 points de vie. Akuma, il y en a 135 000. Alors, j'avais le World Buff. J'avais effectivement le buff, tu sais, de PVP, 5% de dégâts. Et j'avais l'élixir de maîtrise du feu, donc 10% de fire damage. Et l'huile de brasse noire, évidemment. Et c'est tout, je crois. Je réfléchis et je crois que c'est tout. Alors, je vais me faire des nouvelles armes. Donc, ce que je veux dire, le but hein, de ces sessions Monster Hunter World, j'ai envie de découvrir la Great Sword, que j'ai jamais joué. Sur MH. Moi j'ai joué l'arc, le katana, le marteau et l'épée bouclier. Et là j'ai envie de changer un peu des choses. Armure, j'ai full défenseur, je suppose. Attendez. C'est laquelle défenseur déjà? Les pros là. Je sais plus c'est laquelle, attendez. Ce qui me semble qu'il nous file, vous savez, une. Voilà, gardien, c'est ça. Mais ah, c'est déjà à fond, d'accord. On va aller faire une petite chasse. On va aller tester. À la Great Sword. Pour voir un peu comment ça joue. Ça va être compliqué. Hein. Pour voir un peu comment ça joue ici. Est-ce que j'ai des chasses qui traînent? Ah, mais choper des champis quand même, non. Respectez-moi, s'il vous plaît. Extermination. Non, mais là, il n'y a pas un truc où je peux taper comme un vrai truc. Capturer un Barot. Allez, vendu. On va aller tester sur le Barot.
Donc ouais, avec les deux world buffs effectivement, plus l'élixir, plus huile. Et j'aurais pu prendre l'élixir intel, je pensais que ça se cumulait pas, mais j'aurais même pu prendre l'élixir intelligence. Parce qu'on n'a pas de mage. Et là, après j'ai regardé, hein, je suis quasiment full stuff avec le démo. Pour monter vraiment mon DPS, il me faudrait le trinket d'Akumai et l'anneau de Kelriss. Parce que y a des gens, enfin il y a des trucs où je peux gagner un peu de l'intel, mais pas vraiment de spell power. Après je gagnerais beaucoup d'intel. Donc ça fera un peu de crit, hein. Ça c'est toujours toujours sympa. Hein. Voilà, on n'est jamais en mode la merde quoi. Mais on a fait un peu moins mal par contre que le raid de hier. Après attention, les boss sont quand même tombés vite, mais il y avait plus de disparité de DPS. Il est quand même moins joli, il est quand même beaucoup moins joli sur PS4. Oui, c'est vrai que tu as tout à fait raison, c'est vrai que... c'est vrai que dans notre trade, on a utilisé les Grinch. Là, j'ai vraiment demandé, tu vois, exprès qu'on n'en utilise pas. Et c'était cool parce qu'on a pu voir, tu vois, notre vrai DPS sans cheat, quoi. Oui, on a éclaté le... Mais oui, Akumai, elle a duré d'ordre 2 minutes 35, Kelriss, il a fait 1 minute 30, enfin... J'aurais dû aller à l'entraînement, en vrai, avec la Great Sword. C'est pas grave, on va le faire au feeling. On va le faire au feeling, les gars. Est-ce que ça rend bien pour vous, le live, d'ailleurs? Est-ce que c'est cool, visuellement? C'est rigolo, il est plus joli sur mon retour, moi, que sur mon truc. C'est un peu clair sur mon vidéoprojecteur. Je pense que j'ai mal réglé le HDR. Parce que là, on est un stream en 4K natif, hein, sachez-le. Alors, pas en sortie 4K. Mais vous avez un stream en 4K natif. J'ai oublié de prendre les compos, attendez. Fuck, je suis un connard. On est sur un stream en 4K natif, hein, sur PS5. J'en ai oublié. Paré pour la chasse. Ah mais ta gueule. Ah voilà. Pourquoi je peux pas les prendre? Votre sacoche est pleine. Oh non. Ah putain, nul. Attendez. Parce que là, c'est un perso que j'ai pas joué depuis longtemps, ça. Ah, alors, comment on fait déjà? Ah, c'est avec les 7. Est-ce que j'ai les 7 d'équipement? J'ai même pas de... collier de défense. Tiens, vas-y, go. Cap caméléon, planeur, rempli de vie. En tant que j'ai pas joué, hein. Non, c'est pas ça. Palico, coffre, inventaire. Bingo. Ah, gérer les 7. Bingo. Voilà. Voilà. Et ce que je voudrais rajouter à la limite, c'est des pièges, méga potions. Et j'ai des pièges ou pas sur moi? Non? Bon, on verra. On verra, on verra. C'est vrai que j'ai même pas amélioré mon épée. Hein. Putain, ça va être quelque chose. Hein. On va pas y avoir beaucoup de skills, hein, je vous le dis pour l'instant. Je vous promets pas un skill incroyable. Hein. Putain. Ok. Allez, let's go. Je sais pas du tout où j'en suis côté les gars. Tiens, j'ai une bonne grosse épée. Mais ouais, j'ai mal réglé le HDR sur mon écran. Ouais, le setup est bon là. Je suis avec donc le nouveau micro, qui logiquement marche bien, de ce que chat m'a dit. Je pense que tu peux confirmer. D'ailleurs, je vais le baisser un chouïa. Littéralement, physiquement le baisser. Voilà. Je suis donc avec le tout nouveau micro, là dis-toi 700 balles le micro, c'est le Neumann TL-102. Voilà donc nouveau micro, qui est très pratique côté pied à mettre, vraiment très 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 pratique. Je suis dans mon canapé, tout a marché plug and play direct sur la PS5 et tout, donc là je te dis tous les prochains streams vont être comme ça. On va bien penser. Hein. Alors, il est où le barotte? Puis on est bien dans le canapé, quoi. On est toujours bien dans son canapé, hein, toi, tu... TMTC, hein. Ah, Ecofact. Alors, comment on les ramasse, déjà? Attendez, il est où? Ça me dit qu'il y a un Ecofact, il est où, bordel? Je suis con ou je suis con?
Ah. Putain. Ouais, j'ai la gorge en PLS. Ça nous... Enfin, j'ai pas mal, hein, mais... Vieille empreinte. Je sais pas du tout où j'en suis, là. Valputride. Je sais pas du tout où j'en suis côté... Côté quête, ça doit être à l'Odogaronte comme ça. Mais ouais, j'ai pris un perso en cours. Après, c'est pas très grave, parce que... Au final, même un personnage en cours dans World, tu peux le reprendre entre guillemets à zéro. C'est juste que ça me permet de passer le tuto du début, qui est ultra long. Et assez chiant. Avec le Zora Magdaros de merde. C'est pas le plus intéressant, le tuto du début, clairement. Donc tout ce que je peux faire pour skip ça, je le fais. Oh là. Ah. Ah, ah, ah. Ça a dû repérer le barotte, c'est ça? Attendez. Ouais. Tac, carcasse. Alors, en fait, pas vraiment. C'est des maps. Enfin, t'as, en gros, t'as trois maps, je crois. T'as Valputride. En... Valputride. T'as trois, quatre maps, peut-être. Je sais plus. Trois, quatre maps. Et, globalement, les maps, à chaque fois que tu les quittes, hein, sur reset. Mais, oui, tu peux te balader, par contre, sur la map. Tu peux te balader un petit peu, mais c'est des petites maps. Enfin, petites. Il y a une grosse verticalité. Très, très grosse verticalité, hein, plein d'étages. Et voilà, pour te montrer un peu, tu vois, j'ai cette map-là. Je cherche à chasser mon mob et ensuite je reviens avec un hub pour prendre la mission. Avec Iceborne, donc l'extension du jeu, ça a un peu changé. Il y a des zones où tu peux vraiment enchaîner les mobs. Ils ont appelé ça le... Je sais plus comment moi j'ai appelé ça le fort, c'est pas ça, mais voilà. En gros, t'as une map évolutive où tu peux rester. Mais c'est pas du tout un open world. Bon, il est où le Barod, putain? Faut que je le capture, hein, faut pas que je le tue. Hein. J'ai déjà essayé de pas mourir, en vrai. Ah, il est là. Ok. Alors, parce que je ne sais pas jouer la Great Sword. Hein. Moi, je la joue sur le téléphone, hein, donc c'est pas pareil, je pense. Le fief glorieux, c'est ça. C'est pas le fort, c'est le fief. Salut, Yosime. Alors, what the... Attendez. Esquive ces attaques. N'oublie pas que tu peux aussi te mettre en garde. La grande épée est une puissante arme de combat rapprochée. Tu es vulnérable lorsque tu attaques avec, mais le risque en vaut la peine. C'est trop bizarre. J'arrive pas à l'approcher en fait. C'est pas mal. Il vient là du con. Ok. C'est les mêmes techniques que sur... Alors, logiquement, ça c'était stylé de faire ça. Voilà. Là, ça n'a pas changé. Putain. Marre de tousser. Ah ouais. Ok. Ah, personnellement, tous les jours, je préfère voir pareil généralement. Ah putain, comme sur... comme sur Now. Ah putain, je suis nul. Ah, il m'a stun. Ah, heureusement que j'ai le seul défenseur. Putain. Un peu relou le barotte. Hein. Viens là! Ah non, mais je l'affronte dans les pires conditions, là, dans la boue. C'est terrible. C'est terrible dans la boue, là. Combat de boue, là. Pire condition. Déjà que le jeu, les personnages et les tractopelles. Là, c'est... Je galère côté... Oh là là. C'est de couper sa queue, quand même. C'est pas le meilleur mob à affronter en premier, Barot. En vrai. Putain.
Ah, c'est combat de boue là, Fort Boyard. C'est vrai qu'il y avait ça, fut un temps, sur Fort Boyard, quoi. Il faisait les combats de boue avec les meufs. Hein, putain. On vient de loin quand même. Hein. On vient de loin. Oh, putain. Ok, il charge. Ah non, mais c'est terrible dans la boue, putain, quoi. Pire endroit pour l'affronter, ce bâtard. Attendez. Ah, j'ai déjà le... Alors. C'est terrible, hein. C'est nul, hein, mais en même temps, je galère côté rendu, parce que forcément, comme je suis dans la boue, mon personnage... Ah. À faire là. Putain, j'ai pas réussi à lui couper la queue encore. 136, c'était pas mal ça. Ah non, il m'a... Je me suis fait piquer par une guêpe. Non mais regardez-moi ça. J'étais en train de lui mettre une attaque chargée de ses morts. Et je me fais piquer par une guêpe. Ils l'ont enlevé, je sais pas, j'avais 20 ans que j'ai pas regardé, 25 ans. Mais c'était cringe. Hein. Ok, bon. J'aimerais bien lui couper la queue à ce bâtard. Ok, je dodge. Bon, je crois que je vais passer au fusil arbalète, hein. Compliqué la Great Sword. Après, ça que le Barotte est pas le meilleur mob pour découvrir. Parce qu'il y a de la flotte de partout, quoi. Pire map. Ah, voilà. J'ai eu sa queue. Ah, faut savoir que pour jouer à MH, il faut aimer... Ah, j'étais trop loin pour lui faire mon énorme attaque. Oh, comment je suis deg. Putain, j'ai fait une attaque giga chargée dans le sol. Saloperie. Et avant qu'un mec pose la question, non, il n'y a pas la barre de vie des mobs. Ok, allez. Voilà. Ok, il est déjà boiteux, faut que je le capture maintenant. Bon, en vrai, j'en suis pas si mal sorti. Après, j'ai un stuff pété, hein. C'est le stuff de Iceborne. Enfin, le stuff de pour passer ça. Mais en vrai, c'était pas si mal. Alors, pour le capturer, donc. Comment je mets un piège dans... Qu'est-ce qu'il fout? Oh, putain. Ah non, mais il est pas du tout capturable, là. Il est pas du tout en tête de mort, attendez. Il est pas du tout en tête de mort, là. Ah, merde. Tu es dans la gadoue. Tâche de t'en extirper avant de faire croire que ce soit d'autres. Ah non, mais on revient dans la gadoue, quoi. La gadoue, la gadoue. La gadoue, la gadoue. Après, dans tous les cas, il faut le capturer, donc... ça aurait pas été bon. Ouh, il a fait une belle explosion. Salut Anaxagor. J'avoue que le piège électrique dans l'eau, c'était pas la meilleure idée. On fait démonter. Ah, je suis dessus, là. J'ai pas d'endu, mais je suis dessus. Ça peut bien se passer, là. Ça ne peut que très bien se passer, bien sûr. Je vous dis, hein, c'est découvert Great Sword. Quand même rigolo de mettre des grosses attaques. Je l'ai tué !
Ah bah si, il était bien moitié mort alors. Oups, tu n'as pas accompli la quête. Ah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Après, le but du jeu, c'est pas de temps de faire la quête, c'était de la prendre. Point faible, trop fort. Fuck. Putain. Elle a trop de talent, hein. C'est terrible, ça. Nul. Nul, 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 nul. Non, putain! Je viens de renverser un tiers du sachet de Kick-Ass Ball. Il y a vraiment des moments où c'est de la merde, la vie. Bon bah désolé, deux secondes, je reviens. Ouh. Alors. Donc ouais, comme je vous disais, le but... Ah, je sais, un accès, je découvre. Hein. C'était mon premier combat réellement à la Great Sword sur World. Ah, t'as raté un truc. Pour la scrimation 2024, Wena. Mais on en a pas déjà parlé que j'étais plus streamer pro. Hein. Il me semblait qu'on en avait parlé pourtant. Tu m'as dit que t'avais vu une fin. Après, je stream tous les jours, littéralement, en ce moment. Juste que je stream le soir. Ah, tu parles de l'écran? Ouais, non, c'est mon vidéoprojecteur qui fait ça, c'est normal. Non, je suis chez moi, c'est mon setup canapé. Lis le titre. Regarde. Utilise le pouvoir de la lumière du soleil. Ah ouais, non. Bonjour. Il est mignon. T'es pas le pingouin le plus... voilà, mais c'est mignon. Ok, donc Great Sword, c'était quand même sympa. Mettre des grosses attaques et tout... Ok, la paix de Ténérife. C'était quand même sympa. Alors, prochaine arme que je veux tester, ça va être... le... Fusil arbalète. Je connais pas trop la différence entre fusil arbalète lourd et léger. S'il y a des gens capables de m'expliquer, je suis preneur. En vrai, Moena, alors, j'ai pas une vanne, hein, je me moquerai pas d'un mec qui te kill. Tu es petit, c'est pas grave. Hein. Bien, oui. Je sais pas si tu sais, j'ai acheté une maison. Actuellement, pas pour moi, mais je l'ai acheté pour moi, mais en mode investissement. Et on va faire une maison de hobbit. Parce que vous savez qu'en Alsace, les vieilles maisons alsaciennes sont extrêmement bas de plafond. Alors, je peux pas te montrer, là, j'ai pas de photo. Sur ce setup-là, j'ai pas de photo. Mais pour te donner une idée. Je suis à ça du plafond. Donc, voilà, on va vraiment faire une maison avec les portes arrondies et tout. On a 130 000... la maison a coûté que là, elle a coûté 78 000, parce que c'est une ruine. Et on va faire une vraie maison en mode Hobbit, quoi, avec les portes arrondies, les boiseries, full univers. Bah, en Alsace, tu serais bien, en vrai. Hein. Tout est assez bas de plafond ou autre, et pas très cher. C'est bien, Alsace. Ok, alors fusil arbalète, voilà, léger et lourd. Donc je vais crafter. Voilà, le stop défenseur. Je vais crafter le léger. Et je vais aussi crafter le lourd et je vais tester les deux. Je connais pas du tout la diff entre les deux. Je suppose qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Salut Whitey. On va découvrir. On va commencer avec le léger. Alors. Je crois que par contre, qu'il faut acheter ses balles quand tu joues au fusil arbalète. Il me semble qu'il faut acheter ses balles. Ah, je passe ma vie sur Nao. Bah, elle rend bien, non? Attends, quand tu dis ça, c'est en quel sens? Genre, t'es redevenu bon ou t'étais bon à l'époque et t'es devenu nul hein, parce que ça fait longtemps que t'as pas joué? Après, MH, c'est comme le vélo, s'oublie pas, au début on est un peu nul, puis ça revient, quoi. Après, ça dépend des armes, c'est qu'il y a des armes avec des grosses possibilités de skill cap qui... c'est costaud à prendre en main, quoi, forcément. Ah, bah donc tu t'es amélioré, hein. Bah GG, hein. C'est cool. En même temps, la jalade, c'est une vraie saloperie, hein. Alors voilà. Alors attendez, les fioles. Qu'est-ce que. Ah, il faut recommencer, toujours. Tir spécial, attaque. Ah, attendez, j'essaie de comprendre. Euh...